Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mal ancien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment fabriquer l'Orion de Pégase. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go. Alors pour fabriquer l'Orion de Pégase, il va falloir récupérer 3 pièces. La première pièce se trouve à 3 emplacements possibles au fleuve des tourments. La pièce que vous devez trouver, c'est une sorte de pince, une sorte de cisaille. Les 3 emplacements sont montrés dans la vidéo. La deuxième pièce que vous devez trouver, c'est un marteau. Le marteau a aussi 3 emplacements possibles. Et les 3 emplacements se trouvent tous dans la passe du piton. Je montre bien sûr les 3 emplacements dans la vidéo. La troisième et dernière pièce à récupérer se trouve à 3 emplacements possibles dans les ruines à flanc de falaise. Je ne sais plus comment s'appelle cette pièce, mais c'est une pièce pour forger les matériaux. Quand vous avez trouvé cette troisième pièce, vous allez pouvoir enfin fabriquer l'Orion de Pégase. Il faudra juste aller la craft sur le tronc d'arbre comme vous le voyez dans la vidéo. Quand vous avez fini de crafter l'arme, vous pouvez la récupérer. Mais attention, ça enlèvera vos grenades ou vos homonculus. Je crois que ça s'appelle comme ça, les singes, tout simplement. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez tous vous procurer l'Orion de Pégase en utilisant la boîte magique, parce que dès que vous l'avez fabriquée, elle apparaîtra ensuite dans la boîte mystère. Pour l'utiliser, vous avez juste à appuyer sur R1. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser partout. Il faut qu'il y ait assez d'espace en hauteur pour que Pégase puisse s'y mettre. S'il n'y a pas assez d'espace, de toute façon, il vous dira que vous ne pouvez pas le placer au sol. Alors ce qui est bien avec l'Orion de Pégase, c'est que ça a le même effet que les singes. Ça veut dire que ça attire tous les zombies et franchement, c'est assez efficace, même contre les petits boss. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soirkoolo Mike et ciao. Peace.